La porte des cieux vous est ouverte. Étonnante inscription en des lieux si sereins, signe d'un conflit essentiel sur les règles du jeu. Jean-Claude Droyer, ici en action avec Albert Jehan, a ouvert cette escalade par lui baptisée Triomphe des Rosses et qu'il veut symbole de la difficulté pure. Pour être certain que tous jouent le même jeu que lui, il a cimenté dans le passage clé un trou où il était possible, en cas de besoin, de rajouter un piton. Prophète mal compris, il a soulevé une tempête de coups de pinceau. J'ai rencontré Jean-Claude Droyer il y a près de 10 ans, lorsque je débutais l'escalade sur les falaises des Vosges. Son livre trônait sur mon chevet, usé par mes relectures incessantes. J'y admirais les photos où on le voyait sur le rocher. Lors de cette première rencontre, je l'ai donc reconnu immédiatement et timidement pris en photo, alors qu'il grimpait des voies inaccessibles pour l'adolescent que j'étais. J'ai souvent regardé ces images. Médiocres, prises du sol une journée sans soleil, elles figent pourtant ce moment où j'ai rencontré un mythe. Droyer était là, devant moi. Au pied d'une falaise de grès, il avait quitté son existence de papier. Les grimpeurs d'aujourd'hui doivent beaucoup à Droyer, mais peu d'entre eux le savent. Par la lecture de ses articles, en parlant avec des amis, j'ai appris qu'il fut le premier à étendre le mouvement de l'escalade libre en France, une pratique en rupture flagrante avec l'alpinisme traditionnel et l'escalade artificielle. Avant cela, Droyer fut un alpiniste téméraire, remarqué pour ses nombreuses ascensions solitaires, quelquefois en hiver. Pourtant, c'est par son ascension illégale de la tour Montparnasse
en 1975 que le grand public le découvre. Passion, oui, ils sont quand même des égocentriques. Et les gens autour aussi, parfois, ont du mal à le comprendre. C'est comme ça, mais ils ont besoin de penser à eux, à leurs projets, de les préparer. Et ça, ça les isole un petit peu, parfois, de l'entourage. Mes parents l'ont quand même vécu d'abord comme un arrêt de mes études brillantes, parce que j'étais un lycéen brillant, et donc toujours les prix d'honneur, les prix d'excellence, ça devenait même une obsession. Et après, ils me voyaient polytechnicien et tout ça, et finalement, quand je suis allé à la fac, j'ai commencé à glander pour grimper. Donc c'était une grosse déception pour eux. Et c'est vrai que l'escalade, avec justement aussi mes premières, cette première copine avec qui je suis parti dans les Dolomites en 68 à la faveur des événements où la fac était complètement désorganisée, là j'ai compris que c'était une vie qui sortait de l'ordinaire, faire les faces nord des Tretschim avec elle, c'était les premières ascensions féminines, on nous faisait la fête au refuge, on vivait des choses extraordinaires, avec même de l'imprévu, des bivouacs, le mauvais temps, tout ça, mais on a l'impression de participer à quelque chose d'extraordinaire, et ça a permis à ma passion de très vite se cristalliser. Et j'ai su que ça, c'était fantastique. Les objets, les choses ne me font pas tellement envie, à part mon goût pour les voitures rapides, récents. La consommation, enfin les beaux objets, les belles maisons, la vie de luxe, a priori, alors que je l'ai vécu par moments en tant qu'invité. Je connais certains des plus beaux palaces du monde parce que j'ai participé à des conférences en Amérique ou autre, et ça va bien 3-4 jours, après on s'ennuie et je préfère à la limite un refuge sympa ou un petit hôtel de caractère plutôt que le New Otani Hotel à Tokyo, parce qu'à la longue ça gonfle. Et alors, est-ce que c'est quelque chose de différent des autres sports ? Moi, j'ai tendance à le penser, parce que finalement, il y a une communion aussi avec la nature qui, elle, par définition, est simple et n'a besoin de rien, tellement elle est belle par elle-même. C'en est l'expression maximum avec l'alpinisme, parce qu'en alpinisme, en haute montagne, plein de facteurs importants de la vie sociale deviennent complètement superflus. Moi, je me disais toujours, aujourd'hui, on voit le problème des sans-papiers, mais quel que soit notre nom et quels que soient nos papiers en poche, moi, j'ai fait les Grandes Jorasses, j'avais pas de papiers en poche, et j'étais plus léger, on s'en foutait que j'ai mes papiers, et ça n'a aucune importance. Et quand on redescend sur la douane italienne, on finit par la passer même sans papiers, parce qu'on leur dit « je viens de la face nord des Grandes Jorasses », et le douanier, il comprend, il vous regarde même parfois avec un peu d'envie, et finalement, ce qui compte, c'est le talent, c'est la compétence et l'envie de faire ça, et qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment important d'avoir ses papiers, d'avoir son chéquier, sa carte de crédit? Non, parce que là-bas, ça ne signifie rien, c'est votre talent qui va compter et votre aptitude à vous en sortir. Le moment où je vais renoncer pour X ou Y raison à grimper beaucoup, oui, ça m'angoisse quand même, parce que ça va faire un grand vide quand on a vécu comme ça 40 ans de sa vie intéressé et pas obnubilé, mais presque par moment, ou toujours orienté vers cette activité. C'est angoissant de se dire après qu'est-ce qui va me passionner. Je crois qu'il y a des grimpeurs qui ont dû brutalement arrêter pour des problèmes graves et qui l'ont très très mal vécu. En Grande-Bretagne, on connaît un ou deux suicides de grimpeurs qui s'étaient sectionné un doigt, qui étaient devenus et qui étaient tellement passionnés qu'ils n'ont jamais pu surmonter cette, euh,
cette frustration de ne plus pouvoir s'exprimer. Je pense que si on n'est pas soutenu justement là par une famille ou par d'autres choses très fortes comme avoir des enfants, quand on est en plus solitaire, comme c'était le cas de ce grimpeur britannique, on peut être porté à des dramatiques extrémités. Dès que j'ai eu mon permis de conduire, j'ai bien aimé conduire assez vite. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, je crois que c'était la première voiture, un virage avec des gravillons dans le Vercors. Et ben, bon, je suis rentré un peu vite et comme je manquais un peu d'expérience et avec en plus les gravillons, ça, ouais. J'ai raté le virage. On pressait comme ça, je me souviens de retour du Saussois où bon, c'était à la limite d'ailleurs un poil, là c'était vraiment même dans les villages qu'on respectait pas la vitesse. Ce que je fais aujourd'hui parfaitement. Là on arrive au kilomètre 24 au radar automatique, donc moi je ralentis 500 mètres. Bah tiens, le voilà. Coucou. Bon, et là on part à fond. On ne peut pas nier qu'il y a une certaine aseptisation de l'escalade dans la mesure où il y a peut-être un certain rejet des aspects psychologiques de l'escalade, comme l'engagement, parce que finalement l'escalade c'est aussi une activité où la psychologie prend de la place. Pour moi c'est ce qui fait aussi sa richesse, c'est pas seulement une gestuelle acrobatique, même à haut niveau, c'est aussi pouvoir accepter un geste aléatoire dans une situation potentiellement risquée comme la chute, et ça peut-être qu'avec le développement des salles d'escalade, on a arrive à des pratiquants qui refusent et qui même contestent, critiquent les sites équipés avec un certain engagement par des ouvreurs qui, eux, prennent conscience, qui savent que l'engagement fait partie de l'activité. Bloc plus haut. Voilà. Je partirai de là. Il faut que tu bloques plus haut. Voilà. Ça redescend à mort, elle bloque que dalle. Ok, le mou, Christine. Le mou. Le mou. Allez, allez, Christine, le mou. Ah, voilà. Hop, merci. Je cherche Jean-Claude. Alors Jean-Claude, il vient bosser quand il pleut. Aujourd'hui, il fait beau, donc il n'est pas là. Ah, alors attends. C'était les fantômes, hein, c'est ça. 532-015. 015, oui. Oui. Ah non ? Oui, c'est ça, c'est 532-015. Ouais. Je me suis trompé d'un chiffre ? Ah, d'accord, oui. Oui, oui. Ok, tout est clair. Il n'y a pas de quoi, au revoir, merci. Ah, oh, c'était une autre caisse. Pour un problème. Bon, alors, ce qu'il faut faire, là, ils vont payer, hein, mais ils n'ont pas le droit de réduction, c'est ça. Ils en achètent pour combien ? Combien ? 78 euros au total ? Ils n'ont pas le droit de voir en taxe, si c'est 78 euros, pour 175 euros, pour pas. Grand ! Grand ! Monsieur ? Oui ? Grand ! Oh, c'est pas mal. Try maybe. Ah.
to climb a bit there. La force, hein. Oula. Oula là. This is Fontainebleau near Paris. Mm-hmm. Oh, Paris? This can. It, yeah, it's 50 kilometers from Paris. You don't need a harness or a rope. Mm-hmm. You climb la forêt de Fontainebleau. Oh, oui. Interesting. You never heard about it? Tu fais pour, quand t'as le pied droit là et le pied gauche là, à réussir à aller choper la réglette avec la merde dans les mains? Mais ça monte tout seul, t'appuies sur ta jambe et... Je fais comme ça aussi. Tu bascules, ouais, c'est une méthode classique, mais il faut basculer sur cette jambe là et bien appuyer le bassin. Le problème c'est que le gratte il jarte quoi. Bah il était pas très collant en plus là. Non, il jarte facile. Tiens, je vais faire un essai pour voir par ta méthode, mais ça me paraît tellement impossible, j'ai jamais pu faire ça. Bon, si tu mets du poids là, mais là, faut bien basculer le bassin. Elle est un peu longue, un peu haute à monter. Et puis, il faut être bien poussé là-dessus. Voilà, bascule comme ça, sur la jambe droite. Voilà, allez, pied gauche. Voilà, allez, ça monte tout seul. Tu l'as, c'est bon, tiens. Putain, mais c'est impossible. La chaussure est molle. Tu ne cales pas ton bassin sur ton chausson très souple. Ça se voit, tu mets pas assez de poids sur là-dessus. Gauche, ouais. Mais je me vois pas, il y a les statiques, c'est super dur. C'est peut-être, hein. Non, t'étais pas loin non plus, Cyril. Mmh. Ouais, mais ouais, c'est vrai que ce pied, il donne moins confiance qu'avant. Ouais, mais c'est que ce pied, Moi, je suis persuadé que la méthode d'y aller, hop, avec main droite sur la bosse, main gauche, comme ça, c'est plus facile. Ouais, mais là, ça prendra pas le plat. Tu vas chercher le plat main droite, ouais, au bon endroit. Tu ramènes la main gauche juste à côté, comme ça. Tu mets pied gauche là. Et moi, hier, j'ai réussi à l'attraper. Une fois que je l'ai eu, j'ai chopé ça, regarde-toi, cette réglette-là. Ah oui, carrément. Une fois que j'ai eu la réglette, j'ai remonté les pieds. J'ai mis pied droit là-haut. Mais avant, j'avais remis pied gauche là, pied droit là. Et ce qui est très dur, c'est ressortir le pied gauche là. Colle pas celui-là. Non, non, mais y a rien qui colle. Ouais, même celle-là. Celle-là, colle pas. Hein. Tout à l'heure, j'étais la toucher, elle colle pas. Hein. On a bien droit. Allez. Allez. Ouais. Oui. Ouais. Allez. Allez, Jean-Claude. Super. Super. C'est bon. Allez, pépin. Allez, 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 le deuxième. Voilà. Alors, attends. Allez, remonte pied gauche. Ouais, super. Joli. Ouais, c'est pas fini. Non, non, c'est fini après. Oh, mais attends, quand même. Et voilà. Yes. Bravo. Joli. Putain, ils nous ont mis la pression, hein, maintenant, faut le faire, hein. Joli. Respect. Merdouille. Ouais, elle vous reste, hein, Jean-Claude, quand même, hein. Là où il y a un pied. Un pied sévère. Oh, merde. Ça va. Quel plouc.